Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Dans un communiqué publié hier mardi 19 avril, la Direction générale de protection civile fait public la connaissance. Gagné gros saison la pluie qui commençait en général dans mois mars qui actuellement a passé sous pays d'Haïti depuis samedi passé à d'après direction générale protection civile pays a sous menace yon onde tropicale qui était bloqué sous axe Bahamas ak Venezuela onde tropicale ça accompagné gros la pluie qui capable la cause inondation. D'après direction protection civile, on sa capable persister pendant plusieurs jours avec intensification la pluie à partir hier mardi. Direction protection civile prévoit non sans ça gros vent ak gros la pluie qui capable toucher département nord-ouest, nord, la Tibonite, l'ouest, Nip, sud-est ak grandance. Protection civile fait connaître situation ça capable occasionner gros inondation, glissement terrain ak gros la pluie dans zone qui dans zone qui pi vulnérable dans département nord-ouest, nord-est ak la Tibonite. Unité hydrométéorologique dit la suivre sans lâcher situation dans région gros Antilles pour capable informer population sous évolution situation hydrométéorologique là et puis li profiter rappeler consigne sécurité yo et conduite population doit gagner dans moment si là. Organisation Cap défendre droit moun Sainte Carl l'évêque alerté autorité yo sou yon retour justice populaire face à poursuite violence armée yo ka kidnapping yo ak politique qui té mêlé autorité yo. D'après directeur exécutif Sainte Carl l'évêque là Père Gardi Maisonneuve, population à bout face à recrudescence zak bandiyo ak extension en prise gang ameyo qui contrôlait plusieurs quartiers dans région métropolitaine Port-au-Prince là ak quelques villes provinces. Li pas possible pour population continuer victime dans main kidnappeur malgré en pile mouvement contestation organisation dans société civile la fait d'après Père Gardi Maisonneuve qui mandait toutefois population en faire confiance à PNH là les li déposer plainte dans direction centrale police judiciaire. Déclaration Père Gardi Maisonneuve, directeur exécutif Sainte Carl l'évêque. Ce n'est pas qui parle même pour le monde qui pas droit qui pas gagner pour les voir encore comme problème pour seulement décider elle pour demander parole pour demander communauté que c'est parti comme. Donc, vous pensez que ça n'est pas bon et nous-mêmes nous dénonçons le rapport. Ça, fondamental, parce que depuis combien de jours tout le monde a subi agression ça, où l'État a un silence complice qui est limité, comme si c'est mon cœur qui peut nous faire ça. Nous-mêmes, nous sommes en train de critiquer ça, parce que l'État a des lois, et pas fait, non, des lois par rapport à la politique, mais au moins. Il a manifesté une de sa gaffette, ouais, comme si l'État fait comme si ça n'a pas existé. Petit de population, c'est mon cap d'Ibaïo. Donc, nous croyons que ça, c'est un temps complice de sa capacité de société. Fabrique que jusqu'à présent, l'institution ça on est capable de faire confiance jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est au clap pour nos sécurités. Mais parfois, ou aller dans le DCPJC ou même encore Capdou, pour eux, plutôt dégager au pays de son, plutôt dégager au fait des bagailles. Mais ça n'a pas qu'à dire nous-mêmes comme monde, cap fait droit monde, pour encourager la population qui nous parle, pour nous aller qui mesure que, au moins, l'institution ça n'a qu'un BTF qui t'a présenté comme un groupe qui veut faire un travail. C'est ça que l'évêque, c'est une organisation qui était en tête mouvement 29 face à ça.
nous-mêmes qui étaient au moteur pour voir avec les Français. C'est parce que nous connaissons que ça qui passe dans la société n'est pas bon. Et nous voulons, d'une certaine manière, encourager la population à camper. Parce que nous, l'État, la guerre, comme délaissé pour compte. Donc c'est ça que fait. L'autre bagage, nous pas tant que la population fait du courage pour tomber dans sa violence. Mais ça va nous arriver, je nous vois, l'État était indifférent de ce qu'il y a. Par exemple, nous recevons l'ambiance. Il dit, c'est tout bien, mais après, on est avec l'arrière, la machine, il dit, même passé devant la police. La machine a vite pété. On dit qu'on est obligé de tout vite dans la rue parce que au moins ça a capable de certaines garanties sur mon passé avec tout le monde là. Mais bien nous, la quantité d'âmes, aux âmes, il y a la machine parce que la machine a été au moins, tout le monde a été au coup d'œil, il y a des âmes qui ont la machine. Donc nous demandons, nous-mêmes, pour détecter toute machine quelconque. C'est pas le volet, c'est pas le kidnapping. Tout le monde a abstenu, donc on détecte les machines, pour tout le monde qui a compris, par où tu es, ça va porter la machine. Parce que le temps pour nous passer derrière, la machine va vous la transformer, la bête est sauvée. Déclaration Père Gardi, Maisonneuve, directeur exécutif Sainte Carl Lévesque. Drame qui rivait dans Gonaïve côté yon policier touye trois moun avant li touye tête li capable traduire yon forme souffrance psychique d'après psychologue clinicien Jeff Materson Kadichon. Forme traumatisme sa yo qui capable affecter toute couche dans société a touché spécialement agent force l'audio d'après docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. Condition travail agent PNHO mettait sous situation côté yo capable senti yo impuissant devant réalité a manque soutien familial ou bien tout absence épanouissement social. C'est quelque dans l'autre facteur qui capable pousser yon moun commettre gros action irréparable ça d'après docteur Jeff Materson Kadichon. Moun kap travail nan situation traumatisme tant que personnel santé journaliste qui obligé à bay nouvelle stressante toute la journée fait partie yo même tout de catégorie moun qui vulnérable à souffrance psychique là d'après spécialiste là. Déclaration docteur Jeff Materson Kadichon. Si nous regardons nos démarches contextuelles par rapport à la réalité qu'il y a et par rapport à la condition de travail de l'agent PNH, nous-mêmes, nous pensons que ça a évoqué la carnée, c'est des formes de mal-être et de souffrance psychique qui est capable de toucher toute catégorie de la société, et particulièrement les blasons de Fondville. Donc récemment, nous avons fait une formation avec des journalistes, nous avons mentionné qui ça t'a dit, ça nous relève dans la santé mentale, pour nous qui travaillons sur traumatisme. Pour nous-mêmes, ça nous relève traumatisme secondaire avec traumatisme vicarien. Par le dit ça, c'est des formes de traumatisme que des gens viennent développer la caillou, où il y a soit aider de leur pointe souffrance, ou soit le fait que après, face à des situations, témoins des situations régulières. Et ce n'est pas forcément très important pour les patients de type de parachène, mais à l'heure où les ressources payent pour son état. Mais ça arrive souvent chez les professionnels de santé, globalement, ça arrive chez les journalistes qui ont des nouvelles, qui ont confronté à des réalités qui sont totalement déstabilisantes. Mais ça arrive tout à des agents de police qui, dans des situations d'adversité, c'est vraiment important pour nous garder le profil psychologique, maintenant, si par exemple des antécédents psychologiques ou psychiatriques, ou même si ça veut dire des événements traumatiques avant. Et puis ensuite, on peut regarder, par exemple, personnalité, mon monsieur. Par exemple, il y a une personnalité de type borderline, j'en ai dit, étaline. C'est-à-dire, c'est un monde qui, au niveau de l'anxiété, la carrière est très élevée. C'est un monde qui a des difficultés pour de gérer l'émotion, il y a des problèmes de régulation émotionnelle. Donc, c'est des mondes qui sont capables de présenter des prédispositions pour le bien des comportements
espérons que nous n'avons pas forcément souhaité dans des situations qu'on s'en fait, mais il est très important surtout pour les médias ou bien qui peuvent interpréter ça qui passe, hein, pour ne pas tomber dans des conclusions hâtives, et puis auprès des reculs pendant que la réalité analysée différents facteurs qui sont capables justement d'aboutir un drame comme ça. Donc c'est ça qui fait que notre approche qui concerne la santé mentale et le soutien psychosocial, surtout pour des catégories vulnérables dans nos sociétés de compagnie, donc il est très important de regarder est-ce que le besoin de l'argumentaire est comblé, par exemple, question de sécurité, question de logement, question de manger, etc. Est-ce que nous avons un bon soutien social? Est-ce que nous bien entouré familialement? Est-ce que nous bien entouré socialement? Est-ce que nous avons des loisirs? Est-ce que nous avons accès à des soins santé? Est-ce que nous avons accès, par exemple, à des soins spécifiques qui ont des gros problèmes? Est-ce que notre travail est des moyens pour le construire, pour le réaliser, peut-être? Donc, c'est l'ensemble de la guerre, il est défaillant, qui est capable de contribuer à ce que nous avons vulnérable psychologiquement. Il faudrait avoir des tant de facteurs internes que des facteurs externes qui sont capables de comprendre justement la dynamique qui est capable d'aboutir avec ça. Déclaration docteur en psychologie clinique Jeff Materson Kadichon. Syndicaliste continue critiquer Premier ministre de facto Ariel Henry qui d'après sa yodi pas respecté accord qui était signé avec syndicat transport yo concernant programme subvention ciblée. Syndicaliste yo menacé réagit face à sa yo relé comportement irresponsable exécutif là. Yo baye yon délai 3 jours à Premier ministre de facto pour mettre en application akò sa. Syndicalis yo dénoncé yon lot bò manèvre, yo di ministre économie ak finance lan Michel Patrick Boisvert ak Premier ministre de facto Ariel Henry ap fè ki vize empêcher application akò sa nan l'idée pour satisfaire partisan yo pendant élection ki gen pour organiser yo. D'après syndicalisio, accord qui signé avec Premier ministre de facto a pas gagné la donne seulement subvention ciblée, li prend en compte tout augmentation salaire employé administration publique là ouvrier dans factorio mettez en place restaurant communautaire dans quartier populaire yo. C'est quelque dans l'autre point qui dans accord ça. Explication Sanson Dumé qui c'est coordonnateur national brigade syndicale anti-corruption. Accord qui est capable de syndicat transporté signé à l'État dans le cadre du programme subvention ciblée, n'a demandé pour que le gouvernement lui vraiment fait tout effort possible pour que lui permette à quoi ça lui-même lui atterrir parce que dans le niveau pas nous, dans la commission, nous faisons tout effort possible, tout travail possible à zon nous, parce que l'État n'a pas aucun moyen pour la commission de travail, mais le fait que nous connaissons nous avons un engagement que pour nous permettre à la population de faire une subvention ça, à travers l'accord, ça, côté que nous sommes capables de dire, Gaza lui-même, s'il monte, nous connaissons qui est impact qu'il va le faire, parce que son produit transversal, son produit stratégique, et nous connaissons que normalement, il était supposé par la population pour certaines subventions pour que lui-même y absorbe, malgré nous connaissons, ça n'a pas résolu tout le problème. Parce que même dans l'accord, ça, nous sommes capables de dire à quoi je ne veux pas dire avec mon copie qui est avec moi là, et nous demandons des journalistes, tout journaliste qui l'a pour réviser l'accord, parce que nous ne sommes pas seulement d'accord signer l'accord dans le cadre d'une simple subvention, mais nous avons regardé tout. Plusieurs points dans l'accord pour que vous ayez regardé, pour réviser la question salaire ensemble d'employés, que ce soit dans l'administration publique ou privée, ouvriers qui travaillent, pour que vous regardiez si vous avez mis restaurants à travers différents quartiers populaires pour que vous accompagniez la population. En même temps, tout, c'est pour appliquer la loi 9-95 ans qui dit que c'est les gaz à monter sur le marché international. Là, pour monter sur le marché local, là, l'aile descend tout, il faut mouvement ça fait. Et c'est à partir de là, l'État va subvention, l'État est capable d'entrer dans la logique. Si toutefois gaz à monter sur le marché international, l'État est capable de monter. Donc, l'autre information, conseil coordination faculté sciences humaines annoncé l'an mort professeur Jean Renol Eli dans résidence privée li hier mardi 19 avril là dans une note sans faculté a pas précisé circonstance l'an mort professeur a. D'après information radio Ibo gagné professeur Jean Renol Eli t'a souffri ak insuffisance rénale qui était obligé de faire plusieurs séances de dialyse chaque semaine. Sociologue spécialiste dans
dans question agré ak collectivité territoriale. Jean Renol élite et une personnalité remarquable nan élite intellectuelle PIA, l'été occupé poste vice-recteur affaires académiques Université l'État, sorti 1998 pour arriver 2002. Avant ça, Jean Renol, élite et coordonnateur conseil coordination faculté sciences humaines. Lycée auteur plusieurs études à recherche dans Canada à Mexique sous décentralisation économie sociale à organisation paysan yo. Professeur à temps plein, Jean Renol, élite et dirigé travail à recherche plusieurs étudiants pour y être capable de gagner licence fin étudio. Vous savez même qui choisit à attaquer le paisible citoyen. Moi, pas la société à tout pour suspendre fin et ouais. Moi, accepter. N'importe qui avalera occuper des postes importants de nos pays. La justice, ou même, c'est défenseur de la société, au moins, la chance pour nous relier ces derniers. Société à tout. Fait jour clé pour être de tels individus qui passaient au poste directeur général du ministère de l'Intérieur, qui étaient nourris. Ambition pour le sénateur de la République, d'aller pour moi, je dis là, qui implique que on indexe, c'est pas moi, c'est vous pour la justice, qui indexe individu ça, c'est le malversation, je dis à ma condo qui soit fait avec dossier ça. Qui ça, au même qu'on doit faire avec dossier ça. Ma vie ne balance plus, je dis là. La justice, on fait société à trop. On descend tête trop bas devant tout de l'autre pouvoir qui même j'avance, c'est quoi dépositaire de souveraineté nationale. C'est des monde pour le détruire dans la société. Mais physiquement, il va détruire le monde. Cette chance pour nous dans la société, fait de mon cher, c'est pas au gars, il va pas tirer le monde dans la rue. On dit fait dans mon chéri pour mon gars l'île demain matin là, marché tirer monde dans la rue fait l'appel là. À bouche. Qui est-ce qui va responsable? Alors que dans quatre passages, la saline, non, fait dans mon chéri. Il y a un mandat d'ailleurs. Je dis, il faut poser cette question. Le dernier qui est fait dans mon chéri, sous la rue. Jovenel Derele, de faire libérer. Qui moun l'a dirigé de CVJ? C'est même moun. Alors c'est même l'autre Jovenel là qui toujours était là. Donc, directeur de CVJ, par le fait que Jovenel demande de libérer pour libérer Fidel mon chéri, monsieur vient dans les possibilités pour exécuter mandat la justice mettez derrière Fidel mon chéri comme assassin criminel qui participait de massacrer Moun La Salle. Et nous venons dire avec Fidel, nous étions dans un DDH. Nous disons à la politique encore. Il y a des gens qui ont poussé. Vous déjà grillé. Mon bataille suite au vieux plus grillé. Les gens qui mettent au devant, faites le chita à bon côté, même si nous faisons sous table là. Faites le chita à bon côté. Et là, ça, on est plus confortable. Et nous-mêmes dans Viva Haïti, nous avons qui en affaire. Deuxièmement, pensez que le pays est arrivé dans le stade. Finalement, demander qui côté nous garde. Crise politique là, il dépasse les limites. Société là, à bout de souffle. Et, mon gars dirige pays, il est à l'aise. C'est comme si rien n'était, pas de problème dans le pays même du tout. Ça veut dire problème sécurité à résoudre, problème manger, il résout, problème éducation. Moralement,
qui a cherché des gens pour le détruire dans la société. Mais physiquement, il a détruit tout le monde. Cette chance pour nous dans la société, c'est de mon chéri, c'est pas au gars, il prend pas qu'il tire les gens dans la rue. On dit fait d'un mon chéri pour mon gars, il demain matin, là, marche et tire les gens dans la rue, fait l'appel là, à bouche. Qui est-ce qui va responsable? Alors que dans quatre massacres, dans la saline, fait d'un mon chéri. Il y a un mandat d'ailleurs. Je dis, il faut poser cette question. Le dernier qui fait d'un mon chéri, sous la rue. Jovenel Derele, de faire libérer. Qui m'a dit diriger des CVJ? C'est même moi. Alors c'est même l'autre Jovenel là qui est toujours été là. Donc, directeur des CVJ, par le fait que Jovenel demande de libérer pour libérer finalement chéri, monsieur vient dans les possibilités pour exécuter mandat la justice mettez derrière finalement chéri comme assassin criminel qui participait dans le massacre de la salle. Et nous venons dire avec Fidel, nous étions dans un DDH. Nous disons à la police là. Il y a des gens qui ont poussé. Vous déjà crié. Je ne vais pas suite au vin plus crié. Les gens qui ont mis au devant, fait le chita de bon côté. Même si vous nous faites sous table là. Fait le chita de bon côté. Et là, ça, on est plus confortable. Et nous même dans l'île Haïti, nous avons fait le monde. Deuxièmement, pensez que le pays est arrivé dans un stade finalement demandé qui vote nous gagne. La crise politique là, il dépasse les limites. La société a à bout de souffle. Et les gens qui dirigent le pays sont à l'aise. C'est comme si rien n'était, pas de problème dans le pays même du tout. Ça veut dire problème de sécurité à résoudre, problème de manger, résoudre problème d'éducation. Année 2016, 19 151 727 $. Année 2017, 21 454 711 $. Année 2018, 24 478 020 $. Année 2019, 27 126 756 $. Année 2020, 9 394 844 $. Année 2021, 32 192 595 $. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, 7 653 160 $. Ce qui fait en tout de 2011 à jeudi à 30 mars à 2016, je l'ai utilisé comme ça pour la question de Subo. Ça veut dire que nous prenons comme 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, qui c'est environ 62 millions de dollars, nous mettons la question de Subo. Subo, c'était comme l'école a payé pour tout le monde aller à l'école. Par exemple, 90 dollars. Mais dans le rapport pour des comptes qui sont en 2015, il dit que le rapport sur l'efficacité de dépenses et la situation financière, le rapport que nous recevons en 2016 au Sénat, il dit que comme ça a été très mal dépensé la question sur. Eh bien, en 2016, il a réorienté comme ça pour aller, eh bien, la question de construction l'école avec fourniture
de matériel scolaire. Construction des vols avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question sur le bois, il est dépensé dans ce bois. Deuxième partie, il est réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, le Sénat, il demande un rapport comme ça. Il demande un rapport et bien, qui est prouvé justement que, eh bien, fort de l'Assemblée de 2016 à 2018, de la malmété, la construction de 30 écoles. La construction de 30 écoles. Je demande pour les conformes, on n'a pas malheureusement pas fait. Mais qu'on y a l'aide arrivée le 9 mars 2022, le 9 mars 2022, eh bien, nous, ouais, de 2016 au 9 mars, il y a environ 160 millions de dollars que nous rassemblons encore. Que nous rentrons en force. En 2017, là où le général est fort, puisque l'on a été voté, il a dit qu'on va le faire 30 écoles. Les 30 écoles, c'est à quoi que ça a fait. Les 30 écoles sont finies en 2021. Ça nous remarque hier, c'est que la 30 écoles, c'est 27 seulement qui est passé devant la commission CNP. Et dans 27 qui est passé, il y a des actes pour défendre, c'est 3 écoles seulement qui finissent. Il y a 24 écoles qui sont en construction, alors que l'école est finie en 2021. L'école qui est rentrée de 2016 à nos jours, j'en suis dit là, c'est environ 160 millions de dollars. En plus que nous avons inventé l'anomalie, parce que pour faire 30 écoles, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépasser tout comme ça. Donc là, nous remarquons, anomalie, un corps qui rentre, un corps qui rentre, et corps qui est dit par le fait de l'école. Parce que sous fond, actuellement, il était simplement dans le BRH 2 220 000 dollars. Le BRH débloqué 220 millions de dollars pour le fait de mon premier parti qui est à Moscou, mon deuxième parti, actuellement, il a supposé là pour l'école, mais l'école est pour vous. Non. Étant donné que nous avons toute anomalie que vous avez constatée en 2015, anomalie que vous avez constatée dans le Sénat en 2018, que de manière à pouvoir nous faire. Donc, nous écrit M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, président, pour nous dire état de la situation. Nous voyons donc une anomalie. Nous voyons donc une ça. Ils ont des documents qui viennent dans l'État, dans le VRH, pour que nous disons que nous sommes en train. Nous voulons également des documents qui font l'analyse, mais les politiques ne sont pas faites. Et comment se fait-il que tout le monde soit passé, non seulement pour l'école de l'eau pour finir, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Donc, nous voulons également des documents qui sont en train de faire l'affaire. Même si les 10 sénateurs nous avons une majorité possédée, mais moi je crois que c'est le travail du Sénat, quel que soit nos priorités, on a fait contrôle. Je parle des ministres, je parle des directeurs généraux, pour que nous vérifions ça. Puisque ça nous remarque au niveau de la diaspora, c'est que nous avons 1 dollar 50 ans, c'est pas 1 dollar 50 ans dans le fait que nous avons dérangé, c'est que nous est comme ça. Il va venir faire un pays riche. Il va venir dans la poche dirigeant. Et comme de fait, c'est comme de fait. Depuis l'heure, comme ça a été commencé par la même cause, je deviens appréhension sur le côté légal, puisque nous n'avons pas de loi. Je veux que, comme ça, je viens de voter loi, finir leur appréhension, puisque je dis, comme la valeur de corruption. Et je dis, nous, et eux, nous partageons ici, et comme ça, à partir de données que nous recevons. Mais bien nous voyons que c'est un gros problème et que pour les contrôler à le fouiller plus fort que nous, puisque il a accès à tout ce qui va être fait pour nous écouter comme ça passer, puisque son corps qui a loué exactement pour l'éducation. Parmi les fonds d'éducation, c'est pas un peu de la sécurité de la tête. L'école comme la même tout, et on se sentit par appel
Chaque fois qu'on appelle à l'étranger, il y a 500 000 qui sont dit, il doit aller dans l'éducation. Ça, je ne vais pas de souligner. Je ne parle pas de 1,50$, il y a la donne 222 000. Donc, dans ce sens-là, nous avons écrit le conseiller Sipoul pour qu'il y ait approfondi avec l'État, parce que tout comme ça, en général, 220 millions que nous connaissons à l'Ingénieur, plus ça qui est dans le sens de la religion, on n'a pas dit la religion, eh bien, il n'y a rien d'éclaircissement de notre souligne. Et nous voyons que je dis, pays ça, les gens qui ont pour qu'à gaspiller la donne, pour que leur arrivée dans la gouvernance pays, eh bien, vous n'en avez pas de corps. Vous n'en avez pas de corps là-bas. Vous n'en avez pas de corps, on porte l'école dans le pays, eh bien, après de ONG, alors que vous n'en avez pas de corps qui a l'éducation. Et ça, c'est son seul particulier. Pays ça, il y a un corps qui est en train de nous, pour que leur arrivée dans la question de sécurité à la police, alors que pour le moment, c'est pas machine. Ça y est, que les policiers ont besoin pour résoudre le problème. Hein? Ça, les policiers ont besoin. La police a besoin d'hélicoptères, il a besoin de blindés. Ils vont attaquer les questions que nous avons là. C'est pas machine, c'est justement qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis là, si on l'homme mettait, non seulement à pied pour l'éducation, mais à pied pour l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours rencontrer la population présente, nous avons qui est un gaspillage là, que travaille pas à faire. Nous sommes un gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, nous remarquons que la police là, il va gagner du monde. Et je dis au niveau de la police là, en deuxième partie, nous dit un petit mot pour la police là qui commence à faire cette réforme. Mais que vous remarquez qu'il y a mille problèmes qui la touchent. Il faut que la police soit fait à nos deals, mais bien sûr, derrière, il y a des efforts qui peuvent agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous ne pouvons pas attaquer directement comme nous, que ce soit. Ça va aux autres, que ce soit Matisse là, il va attaquer eux, eh bien, c'est à côté de la bataille. Et pendant ce temps, ils ont même eu le temps pour consolider eux. Ils ont consolidé eux, parce que je dis à qu'ils ont des pour passer, ils ont formé eux, il y a des ministres formés eux. Donc, l'ont éliminé deux, ça a récupéré, il y a 10 blocs encore qui paraissent. Donc, je dis à, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police là, nous croyons que il y a en pile action qui pourrait faire pour que nous résoudre le problème ça. Action qui pourrait faire que c'est que nous pas qu'à une situation ça va dégager un budget spécial pour la police. Constitue devant corps haïtienne, c'est pour nous demander bilan avec rapport. Et l'argent que les Américaines dépensaient dans le pays, côté a fait donation de 500 millions de dollars depuis 2010. Et à chaque fois, nous connaissons Haïti, son pays à risque lié, et des assurés arrivent dans le pays, et bien nous toujours un ensemble de fournisseurs, bien barres de fonds, dans le bon mot, qui bat Haïti de l'argent pour répondre avec des assurés. Côté l'accord américain en 2010, il y a 500 millions de dollars américains même pour être dépensé en Haïti. Malheureusement, l'argent ça, c'est 6 shelters, nous connaissons qu'il fait la donne. Et parallèlement, il investit 10 millions de dollars dans notre cas pour faire la boîte sanguine. Et ensuite, nous n'avons pas de rapport. Nous tendons l'accord américain pour aller voler quitter le pays. Cependant, nous venons matin pour nous demander qui bilan, qui rapport l'argent ça fait dans le pays. Ensuite, après 8 ans du mandat et docteur Guy de Jean-Pierre notre tête et Société Nationale Croix Rouge là, nous il pas jamais faire élection. Cependant, il y a 6 mois prolongement. Nous demandons, docteur Guito, pas gagner transition dans la Croix Rouge, c'est élection carré barré pour l'autre groupe pour diriger tête la Croix Rouge dans le pays. Et l'autre bagarre de la population, il faut qu'il connaisse qui j'ai l'argent au dépenser. 14 ans qui se passe là, théâtre en dans le Grand Sud avec la Gardance. Bon ensemble de fonds qui disposent dans le pays, il y a pour traiter la situation, les gens qui vivent dans le studio. Pourquoi j'aime bien rien fait. Jusqu'à présent, on stocke ensemble de bagages qui viennent là pour nous dans le studio. On stocke une population pas jouer dans rien. C'est ensemble de délégués, ensemble d'expatriés qui manquent l'argent. Si ils ont dit à venir de nous, il faut aider nous dans le concret, dans la compétition rêve là. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nous avons décidé de planter piquette devant la Croix-Rouge pour demander un rapport avec bilan
sous l'agent corps américain. Deux, mandé Guito pour faire élection pour quitter poste. Et troisièmement, pour mon grand sud de Mono Kay Moun Jérémyo, je n'ai pas de traitement avec l'agent qui disposait pour eux. Sur un effectif de 12 juges que l'État doit gagner pour les fonctionner, les gagnent seulement 3 juges, qui fait que l'État qu'a fait aucune audience puisque la loi exigeait en section ordinaire faut qu'il y ait minimum 5 juges. Maintenant, il n'y a pas de quorum pour lui conduire aucune audience et pour lui tendre aucun recours que citoyen ou justiciable est capable de faire par devant lui-même. Maintenant, nous avons pensé que tu as gagné une célérité, une urgence et pour le pouvoir exécutif de concert avec le CSPJ et pour voir comment il était capable maintenant pour voir la cour de cassation de nombre de juges qui manquant. Malheureusement, il y a un rapport à la candidature qui est faite, mais nous ne connaissons aucun suivi qui est fait et après ça. Et jusqu'à présent, CSPJ ne peut recevoir aucune liste qui est acheminée à lui-même par le pouvoir exécutif. Guillaume Lanteur, nous autres, nous-mêmes, nous optons pour le fonctionnement régulier de la Cour de cassation. Et nous conscients que nous sommes dans une situation exceptionnelle, et côté que toute institution qui a de concourir pour, pour nommer les juges au niveau de la Cour de cassation, il y a rien qui n'a pas existé, il y a tout qui n'a pas fonctionné régulièrement. Maintenant, mais ça peut empêcher que la Cour de cassation soit fonctionnelle. Nous pour gagner une situation et côté que tout organisation, notamment l'exécutif, le CSPJ et le tiers Sénat, voilà, qui doit jouer un rôle dans le processus ça. Et maintenant, ces positions pas nous. Et nous croyons que gagner nécessité pour la Cour de cassation pour les fonctionner régulièrement. Et pour ça, c'est trois entités qui doivent jouer un rôle. Et ça fait nous gagnons réserve à appel à la candidature que ministère de la Justice est lancé pour qu'on parle. Parce que c'est lui-même, c'est l'exécutif qui pourra gagner au final le dernier choix. Le CSPJ n'est pas choisi, il a seulement étudié dossier candidat qui est nio et pour lui former de avis conforme. Maintenant, sous base candidat qui bénéficie avis conforme, ben, l'exécutif n'est pas le gagner pour lui choisir. Maintenant, si au final l'exécutif n'est pas le choisir, pour nous-mêmes, nous estimer que les poser problème pour c'est lui-même à la fois qui peut constituer l'istio et au final encore il n'est pas le choisi. C'est pour ça que nous croyons que tiers Sénat il a un rôle que lui doit jouer, même si il n'est pas capable d'exercer pleinement toute attribution puisqu'il n'est pas bon assemblée de ses sénateurs. Et il est à bon tour pour nous garder tout l'autre acteur tout qui est concerné par le fonctionnement de la justice, notamment les organismes de défense des droits humains, et ouais, comment il est capable de porter rapport par eux, contribution par eux, non sélectionner des personnalités pour aller investir de fonctions de juger au niveau de la Cour de cassation. Mais tu sais, le monde qui prend l'organe qui prend vérifier, faire dernière vérification, c'est pas le CSPJ. Et sous base ça, l'exécutif l'a bien pour choisir une personne sur une liste de trois et qui pourra le soumettre à pouvoir exécutif au fait de nomination. J'ai un processus là à peu avancer. J'ai l'impression que l'exécutif à travers le ministre de la justice, t'es lancé un appel à la candidature. Maintenant, parmi les candidats, c'est ce ministère qui lui-même pourra le former liste là en raison de trois personnes par poste à pouvoir et qui t'a supposé soumettre à CSPJ pour avis et après le premier ministre pourra le choisir une personnalité sur la liste à nommer. Maintenant, c'est à ce qu'il paraît, c'est ce choix qui a été décidé. Maintenant, m'a rappelé que nous autres au niveau de l'APM, nous avons réserve sous choix ça, parce que nous trouvons que c'est inconcevable pour l'autorité de nomination qui est l'exécutif, c'est les mêmes encore qui pourraient former liste là. En l'état actuel, le Sénat est dysfonctionnel, il n'y a pas une assemblée de ses sénateurs pour les former liste là, mais toutefois, nous croyons que il est capable tout participer dans la formation liste là et nous avons associé à tiers Sénat de l'autre monde qui dans la société civile là, qui au même tout bien au regard sur fonctionnant la justice pour nous enlever à exécutif là pour lui constituer des listes que nous prenons à cheminer à CSPJ qui lui-même pourra décider est-ce que mon ça qui sous liste là est-ce que il remplit les critères pour être capable de venir juger à la Cour de cassation et après on va le transmettre au premier ministre qui pourra le choisir parmi les personnes sur la liste à être nommé au niveau de la Cour de cassation. Nous suivons le processus là et de près, mais il y a un élément qui est
échapper non comme magistrat. C'est le volet politique. Il faut, faut que nous d'accord que la nomination des juges au niveau de la Cour de cassation lie aussi un volet politique. Nous-mêmes, ça qui est intéressé, nous, ça qui préoccupe nous, ce n'est pas incidence politique question. C'est que la Cour de cassation, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. C'est l'un qui l'a pour les connaître les recours des arrêts des cours d'appel et aussi des jugements en matière criminelle. L'I doit exister. Pour l'exister, même si nous avons défaillance au niveau de la loi, il faut qu'un organe qui l'a joigne un modus operandi pour que la Cour capable bien des juges. Mais lenteur, ça a expliqué par situation politique là. Et nous connaissons des monde qui contestait le premier ministre non, droit de nomination des juges au niveau de la Cour de cassation. Et nous connaissons tout non, tu as supposé entrer dans la période électorale et que c'est ces juges aussi qui sont appelés à recevoir la prestation de serment des conseillers au niveau du conseil électoral. Et maintenant, tout ça, la nomination, ça, tout, il y a une couleur politique, tout, mais exécutif là, lui-même, tout, il est capable de faire des analyses politiques, faire des jugements politiques qui fait que, il n'est pas allé rapide. Mais c'est des motifs que nous-mêmes, qui sont totalement étrangers à nous-mêmes. Ça qui est intéressant, c'est que la Cour, l'idée est fonctionnelle et pour lui fonctionnel, il faut nous joindre un minimum de légitimité pour nous capables de nommer ces juges au niveau de la Cour de cassation. Lenteur là, il existait. Ce qui motive, nous-mêmes, nous pas connaît, mais n'a pas de mettre tout et pas vraiment un consensus national au niveau des questions. Si c'est SPJ lui-même, il est d'accord pour lui bailler de avis, si nous prenons les syndicats de magistrats, y compris la PM, nous d'accord sous l'idée pour combler, pour que le Premier ministre nomme ses juges au niveau de la Cour de cassation. Maintenant, nous avons des accords sous procédure de nomination. Hein. Mais en même temps, il y a de l'autre secteur qui refutait le Premier ministre en droit ça. Et il y a des gens qui font de l'autre proposition. Maintenant, ça, nous avons une bataille politique. Et nous avons compris que l'exécutif là, il y a un petit jambe hésitant en attendant qu'il joigne la meilleure formule pour être capable de procéder aux nominations. Depuis quelques temps, la justice a fonctionné en dents de scie. C'est vraiment un fonctionnement qui laisse à désirer. Non, bien regrette que Griffier, c'est pratiquement poumon tribunal, sans Griffier, pas qu'à gagner audience, sans Griffier, juge, pas qu'à travailler, il est rentré en grève. Mais m'a rappelé, ça a gagné plus que 2 années depuis Griffier, il a revendiqué de meilleures conditions de travail et de meilleurs traitements. Maintenant, sous différents mouvements qui ont été faits, il était arrivé signer un protocole d'accord avec le ministre de la Justice d'alors et un ensemble de promesses, un ensemble d'engagements qui étaient pris par l'exécutif pour être capable de satisfaire les revendications de Griffier. Et tout ministre qui passait depuis lors, il a passé sous pied ensemble des revendications. Il n'y a pas qu'un des promesses, ça qui fait que Griffier, près de 2 ans après, il est revenu à la charge, côté qu'il a annoncé des modes de grève qui ont des conséquences négatives sur le fonctionnement de la justice. Pour le monde comparer devant un juge d'instruction pour lui répondre à une question juge-là, il faut qu'il y ait un greffier. Pour faire audience correctionnelle, audience criminelle, il faut qu'il y ait un greffier. Sans greffier, le tribunal n'a pas qu'à travailler. Même si le juge a rendu décision, maintenant, le monde qui peut copier décision, c'est greffier. Maintenant, il joue un rôle important et si on entre en grève, la conséquence c'est que le tribunal, même si le porte est ouvert, mais c'est comme si il était fermé tout. C'est pour ça que nous souhaitons que le pouvoir exécutif là et lui est capable engager des pourparlers, des discussions qui est entamé déjà avec l'Association nationale des greffiers haïtiens pour comment ils sont capables de porter des réponses favorables à ensemble de revendications à greffiers. Et dans d'autres niveaux de l'APM, nous supportons greffiers parce que revendications sont tout à fait justes et engagement qui était pris par l'exécutif, il y a le temps pour être capable d'appliquer différents engagements pour la justice est capable de fonctionner normalement pour greffiers. Ils travaillent dans de meilleures conditions.